Pour moi, déjà, la marche vers la confirmation, parce que, vu l'histoire de ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés, ce qui me rend même aujourd'hui en fauteuil roulant. Déjà, la marche vers la confirmation, je devais d'abord passer par la marche pour la première communion, parce que je ne l'ai pas encore prise, ma première communion. Donc, pour moi, ce sera vraiment important pour une façon de dire merci au Seigneur de m'avoir laissé une deuxième chance, parce que j'ai fait le coma pendant 1 mois et demi. Et je ne parlais plus, je ne pouvais même pas bouger mes bras, je ne pouvais plus rien faire. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre mes études d'ingénieur et je vais bientôt terminer. Donc pour moi, c'est comme une forme de reconnaissance, une façon de dire merci au Seigneur de m'avoir permis d'accomplir tout ce que je peux accomplir aujourd'hui. Ça, c'est pour ça ma marche vers la confirmation. Donc j'ai eu un déclic lors de la profession de foi de ma fille et le frère Patrick Dominique a dit qu'il n'y avait pas d'âge pour faire la confirmation. Donc à 42 ans, je me suis dit, eh bien, je termine. Et pour moi, c'est un aboutissement et un nouvel élan pour mes enfants et ma famille. Ça va me permettre d'avancer parce qu'ayant perdu des êtres chers il n'y a pas longtemps, ça va me soutenir. Il va me soutenir et me permettre d'être plus forte en face de mes enfants et de ma famille et aussi de mon métier, puisque je suis enseignante, donc face à mes élèves aussi. J'ai fait mon baptême quand j'avais 9 mois et quand je suis devenue adolescente, j'ai pas souhaité faire ma communion et ma confirmation parce que la religion n'était pas une chose importante dans ma vie. Et le déclic, ça a été, j'ai intégré les Scouts et Guides de France et mon entourage, quand je suis devenue adulte récemment, m'a permis de me reconvertir vers la religion, d'avoir un nouvel élan dans la religion et de me permettre avec la musique, comme je fais de la musique depuis mon enfance, de chanter et de pouvoir jouer pour des messes. Et c'est ce qui m'a permis de c'est ce qui me donne l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire ma confirmation et ma communion en même temps.